Bah écoutez, je m'appelle Lilian Thuram, j'ai été joueur de foot. J'ai eu la chance de jouer à Monaco, à Parme, à la Juventus de Turin et à Barcelone. Et j'ai eu la chance aussi de jouer en équipe de France et de gagner la Coupe du Monde en 1998. Et en 2000, j'ai remporté le championnat d'Europe. Alors, cette fondation est née en 2008 lorsque j'étais joueur de foot à Barcelone. L'idée était simple, l'idée était d'expliquer aux gens que le racisme n'était pas quelque chose de naturel. Donc la fondation explique de dire qu'on ne naît pas raciste, on le devient. Et donc l'idée, c'est que nous puissions réfléchir aux mécanismes de domination qui nous emmènent à reproduire du racisme ou du sexisme. Alors, c'est beaucoup d'émotions, de l'incompréhension au départ. Ouais, c'est assez incroyable. Et c'est, je dirais, un encouragement à continuer le travail. Et c'est quelque chose de très émouvant. Ma journée a été une très très belle journée. Je dois avouer que je me suis réveillé un peu ému. Je me suis rendu à la cérémonie. Et je dois avouer qu'être devant la foule, écouter ce qui se dit sur vous, c'est quelque chose de très émouvant. Parfois, on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai ce qui est en train de se passer? Voilà. Le conseil, ce serait d'essayer de chacun d'entre eux se poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils font pour la communauté. Essayer d'être à disposition des autres, essayer de construire une société plus solidaire.